refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va s'intéresser à l'adversaire numéro 1 d'Apple, à savoir Google. C'était la conférence Google I/O à San Francisco. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Alors que la WWDC, la conférence des développeurs Apple, va ouvrir ses portes le 10 juin prochain, nous y serons en direct. Celle de Google vient tout juste de se clôturer. Google I/O est l'occasion de découvrir les dernières avancées du moteur de recherche. Alors qu'Apple semble prendre du retard et avoir des difficultés à gérer plusieurs projets de front, Google multiplie les chantiers, de Chrome à Android en passant par les réseaux sociaux avec Google+, la musique avec Google Play, la cartographie avec Google Maps, jusqu'aux prototypes de lunettes connectées et de voitures autopilotées. L'appétit de la firme de Larry Page semble sans limite. On refait le Mac, épisode 134, mais où va s'arrêter Google ? Au sommaire du numéro 92 d'iCreate, le magazine des utilisateurs Mac, iPod, iPhone et iPad, votre Mac en forme. Comment diagnostiquer le mal qui ronge votre ordi, quels soins lui prodiguer, quels sont les gestes qui sauvent en cas d'urgence, toutes les réponses de notre dossier spécial pour donner du peps à votre machine à la pomme. iCreate numéro 92, 6€ en kiosque. Et n'oubliez pas, iCreate c'est également un site pour nous lire au quotidien, www.icreate.fr. Avec comme invité, comme chroniqueur cette semaine, une version allégée de Refait le Mac, à savoir Cédric Ingrand de la chaîne Info. Pas allégé Cédric Ingrand, c'est l'ensemble de l'équipe qui est allégée. Ça va bien Cédric? Ça va très très bien. Bien, welcome to San Francisco, où il fait couvert parce que c'est San Francisco, donc c'est normal. Pourquoi est-ce que j'ai de la musique? Ah, quel droit. Mais où je suis pour Google I/O et où on vient de se faire 3h40 de keynote, c'est pas mal quand même, c'est un peu Ben-Hur. Autre chroniqueur que vous avez l'habitude de retrouver chaque semaine dans Refait le Mac, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je suis bien content, on va parler de technologie bien dense ce soir, Google, et en plus on le fait entre garçons, c'est un vrai rêve de geek qui se réalise. Tu vois, oui, t'allais pas belle la vie. Malheureusement, il n'y a pas Fanny qui devait être en duplex du Festival de Cannes en une soirée. Elle s'était fait coiffer. Enfin bref, c'était de toute beauté. Et malheureusement, elle est victime de la fracture numérique. On sera poli. Voilà, ça passe pas tout simplement depuis où elle est. Donc, on ne peut pas la voir ce soir. Et quant à Rodrigo, il est un petit peu malade. Donc, on pense à lui. Messieurs, vous avez, c'est le cas de Cédric, assisté en direct. Elle a été retransmise sur YouTube notamment. Normal, hein, la filiale de Google. La retransmission en direct de près de 3 heures d'une longue, longue, longue keynote, l'équivalent de la WWDC pour le monde Apple. Il y avait beaucoup de rumeurs, Cédric, avant le début de cette conférence autour de possibles nouveautés, un peu comme Apple. Et puis finalement, je ne vais pas dire pshit, il n'y a pas eu de grosses annonces matérielles. Non, clairement. On a tous joué au jeu des rumeurs, surtout sur la semaine écoulée. On attendait, qu'est-ce qu'on attendait ? On attendait un refresh de la tablette Nexus 7, lancée ici même, il y a moins d'un an, parce que l'année dernière, la conférence était fin juin et pas fin mai, et pas mi-mai, donc voilà. D'autant qu'on avait déjà des specs de ce que pourrait être la Nexus 7, non, finalement, pas de Nexus 7. On attendait, sans trop y croire, le fameux Google X Phone, qui serait la prochaine génération de Nexus, mais cette fois probablement faite par Motorola. Pas un mot. On attendait même un petit refresh. La désormais filiale de Google. Et oui, c'est ça. Donc Google a fait faire un Nexus par Samsung, un Nexus par LG, etc. Là maintenant, ils peuvent faire un Nexus par Motorola sans qu'on les accuse de favoritisme. On attendait même un petit refresh du Nexus 4 signé LG avec un Nexus 4 blanc avec peut-être un peu plus de mémoire. Celui-là, il a fuité. On a vu des photos, on a même vu des hands-on, etc. Eh ben non, pas un mot ce matin sur scène. Non, clairement, je pense que Google, l'année dernière, les développeurs avaient un petit peu grogné, gentiment, hein, en disant, attendez, vous profitez d'I/O pour faire plein d'annonces sur le hardware, c'est bien, mais quand on est développeur, c'est pas forcément ce pour quoi on vient. Et ben là, ils ont fait des annonces pour les développeurs, ouais. Plein de trucs sur les API, sur les fonctions, mais qui vont avoir des effets, évidemment, sur les applications qu'on utilise tous les jours.
Et même, il y a même des annonces C'est pour d'ailleurs iOS. les je sais plus combien de centaines de milliers de personnes qui étaient derrière YouTube Plus d'un Live tout à million. l'heure. Plus d'un C'était pas million. des développeurs, hein. Ouais. Alors oui, bien C'était pas sûr. des Non, développeurs, bien sûr, et pas c'est tous, l'ensemble loin de des là. utilisateurs et des fans Ah oui, mais faut jamais oublier et des que passionnés de nouvelles technologies qui les étaient. développeurs qui sont venus ici, ils ont payé 900 dollars Oui. pour rentrer, donc c'est quand même eux le premier public. Oui, j'entends bien, mais enfin, quand même, voilà, c'est quand même une visibilité, une vitrine de Google, et de ne pas faire d'annonce matérielle majeure, comme quoi il n'y a pas que dans le monde Apple, Monsieur X, où on peut créer la déception, il peut y avoir énormément de buzz, et finalement, accoucher de choses qui sont plus dans la tradition d'une conférence de développeurs. On dira ça pour faire plaisir à Cédric. Monsieur X. Ouais, mais moi je suis déçu depuis toujours avec Google, tu le sais. Non, moi la seule chose qui m'étonne, parce que je suis complètement d'accord avec Cédric, c'est d'abord une conférence développeur. Et donc les annonces sur les outils de développement me paraissent de ce point de vue la plus importante que des fonctionnalités qui intéressent le grand public. Moi, la seule chose qui m'étonne quand même, et on en parlait avant l'émission, c'est qu'il y a un peu de tension peut-être entre Google et les fabricants de combinés comme Samsung. Et donc, je me demande pourquoi Google ne met pas plus en avant sa filiale Motorola. On se souvient déjà plus qu'ils ont racheté Motorola, mais là, ça me paraîtrait vraiment un bon tremplin. Et ils en parlent quasiment pas. Moi, c'est mon seul étonnement parce que ils ont une telle audience ce jour-là. Ça mettrait voilà, un petit coup de boost à Motorola et ils n'en profitent pas. Alors Donc, c'est vrai que c'est ça le fait seul des étonnement mois, de surface pour moi. ça fait des mois qu'on Sans jeu dit, de mots, Monsieur ça fait X. des mois qu'on dit, par exemple, Samsung est pour Google à la Ça passe. fois le plus grand partenaire et puis c'est en train de devenir un des plus grands concurrents. Et bien si, il y a quand même eu une annonce hardware ce matin sur scène, c'est l'arrivée d'un nouveau Galaxy S4 signé Samsung, un Galaxy S4 Google Edition, c'est-à-dire sans la surcouche logicielle de Samsung, c'est extrêmement surprenant, mais avec la pure expérience Google, les mises à jour instantanées du système, etc. etc. Je vous raconte pas à quel point on était tous genre C'est ça la valeur wamp. ajoutée, c'est ça la seule différence avec la version, avec C'est celui-là, c'est exactement juste, le même. à la limite, il n'y a pas l'interface graphique de Samsung, quoi. Exactement, c'est le même, mais sans les améliorations signées Samsung, enfin sans les softs Samsung, etc., etc. Mais avec voilà la pure expérience Google comme un Galaxy qui deviendrait un Nexus. Je vous raconte pas, les développeurs là, ils étaient genre oui, donne, donne, parce qu'évidemment tout à coup ce serait le plus beau Nexus là, ce serait le Nexus 5 quoi. Alors il sera, Ouais. celui-là Donc il il n'y a pas eu sortira de fin successeur juin, du. il sortira fin juin, il coûtera 649 dollars. Donc c'est pas un Nexus, hein, c'est vraiment, ils ont dit bon voilà, avec Samsung on a fait une édition enfin, spéciale, mais en tout cas pur Android. Si vous voulez l'acheter, achetez-le. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Sundar Pichai, qui est arrivé avec le Nexus à la main, le Nexus, bah, regardez, le Galaxy à la main sur scène, a dit attention, hein, je rééclaire, celui-là, on ne peut pas vous l'offrir. Oui, surtout que Samsung. Alors justement, pour rebondir sur le fait d'offrir le téléphone, habile transition, est-ce qu'il n'y avait pas, ce que je dis souvent dans ce podcast, mais bon, apparemment ça n'intéresse personne, un relatif agacement de Samsung vis-à-vis du moteur de recherche de Google, l'éditeur Google, qui avait tendance à vouloir s'imposer comme un constructeur. Ils ont racheté Motorola, ils ont lancé avec des partenaires dont Samsung, mais plutôt LG et Asus, le Nexus 4 l'année dernière et le Nexus 7 qui ont eu un grand succès. Et surtout, ils ont cassé les prix. Ils vendent quasiment à prix coûtant, si ce n'est à perte, leur téléphone, ce qui devait fortement, Cédric, agacer Samsung en disant, mais notre métier, c'est le hardware. Si vous cassez les prix derrière, quelle valeur ajoutée on peut apporter? Oui, mais non, parce que c'est pas tellement qu'ils cassent Oui, les c'est vrai. prix, ils sont sur un segment qui est pas le même. Un Nexus 4, c'est pas un Galaxy S4 en termes de photos, enfin en termes sur mille choses. C'est pas le même écran, ça a absolument rien à voir. C'est vraiment un appareil de moyenne gamme et ça Tout se de vend au même, prix d'un Cédric. appareil de moyenne gamme. Mais la preuve que Samsung n'est pas énervé, c'est qu'ils leur ont fait quand même C'est l'équivalent d'un un S3 Galaxy aujourd'hui, S4 allez. spécial Google. Ah, Au moins l'équivalent d'un S3. le S3 fait de la meilleure photo qu'un Nexus 4. C'est quand même Oui, mais enfin, une des tu fonctions vois, les centrales du différences de prix téléphone. sont quand même importantes, quoi. Ah oui, non, non, bien sûr, mais donc c'est ça, on aurait pu Et imaginer que les deux n'étaient pas ce à qui a fait couteau le plus tiré, de mais mal qui est un peut-être peu. à Samsung, encore une fois, c'est l'arrivée de ce Nexus 7, qui fait qu'aujourd'hui, sur ce marché de la tablette d'entrée de gamme, qui était le marché en version 7 pouces, qui avait évangélisé Samsung, c'est l'un des tout premiers à avoir sorti des tablettes 7 pouces, souvenez-vous, il y a près de 3 ans de mémoire, et ben ils n'y sont plus sur ce marché-là aujourd'hui, sur ce marché d'entrée de gamme, et ils vont plutôt sur un Galaxy Note 8 pouces, on l'a déjà dit dans cette émission, avec une fonction de téléphonie, avec une fonction plus avancée, qui permet de positionner à un prix un peu différent, et trouver une positionnement différent de celui de Google et de l'iPad mini également.
ils ont du mal hein, à se positionner sur ce marché-là. Parce qu'Apple, oui, enfin, Google, pardon, a cassé le prix. Et on ne peut pas gagner d'argent là-dessus. Oui, mais non. Non, mais quand Samsung se lance dans des tablettes Android, il sait qu'il ne va pas être seul sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? Il sait que la concurrence va être rude et que ce n'est pas le système qui va faire la différence. Donc, ils savent qu'ils vont faire la différence par le hardware. Maintenant, des Nexus 7, il s'en est vendu beaucoup, mais il faut quand même rappeler que ce sont, pour l'essentiel, des canaux de distribution un peu limités. Il faut aller sur le Play Store, il faut le commander. Alors, on en a vu quelques-uns en magasin, mais c'est pas, ça n'a pas la force de frappe de distribution d'un Samsung, même pas d'un LG d'ailleurs. Donc, ça n'a pas empêché Google d'ailleurs de faire la tablette, la Nexus 11, la Nexus 10, pardon. Et on attendait par ailleurs pour Google I.O. ici une Nexus 11 encore signée Samsung. Une tablette grand format, ouais. Une tablette grand format. Alors je sais pas, la blague ici c'est de dire. Bah, elle n'est pas arrivée. Si. Non, mais arrête de m'interrompre, il y a un écho donc c'est pénible. La blague ici c'est de dire le problème c'est qu'à chaque fois que quelqu'un montre du nouveau hardware sur la scène de Google I.O., ils se sentent forcés de l'offrir aux développeurs. Donc ils vont peut-être faire leur lancement hardware un petit peu décalé par rapport à Google I.O. pour arrêter de faire des cadeaux par tombereau comme tous les ans. Le cadeau avec lequel les développeurs vont repartir cette année c'est le Chromebook Pixel dont on a déjà parlé ici, qui est une sublime machine un peu décalée, qui est un peu. Ce truc pourrait être un MacBook Air, il est sublimement réalisé, il est tactile comme tu aimes, il est Retina, il est sublime, mais bon, il est sous Chrome, quoi. Donc il y a des choses qu'il ne fait pas. Mais donc voilà, donc à l'heure qu'il est, tout le monde est en train de faire la queue. Ah bah non, ça y est, il y a des gens qui reviennent déjà avec leur petit Chromebook Pixel sous le bras. Voilà. Mais non, de fait, on attendait beaucoup de lancements. On attendait au moins quelques lancements hardware. Bah, c'est pas l'année. Monsieur X, par rapport à ce que disait Cédric, par rapport à justement ce manque de nouveautés matérielles, par rapport peut-être à la concurrence déloyale en interne, intestine, que joue Android en poussant Google, en poussant Android et en poussant des machines à bas coût, histoire de marginaliser le matériel par rapport au logiciel, vous trouvez que mon scénario à 3 francs 6 sous peut tenir la route? Grosso modo, c'est simple, hein, mais la dynamique réelle qui anime Google, elle a déjà dépassé le fait d'imposer son système. Hein. On va en être à bientôt 1 milliard de smartphones activés sous Android, 900 millions je crois, on a passé cette barre. Et je crois que le fait que le succès de son Android soit basé ou pas sur la distribution de smartphones à bas coût que lui-même pousserait est une question dépassée, sincèrement. Hein. Si Google avait avantage à faire quelque chose, ça serait plutôt à l'inverse de pousser des modèles très haut de gamme pouvoir mettre en avant des fonctionnalités qui nécessitent un matériel beaucoup plus puissant. Voilà. Mais le fait de pousser des combinés entre guillemets entrée de gamme ou bas de gamme, en toute logique, Google devrait laisser faire ça à Samsung, LG et aux autres. Et si tu as cette impression que c'est pas vrai, je pense que ça va en fait vite être calé sur ça. Voilà, maintenant, la seule chose, je le disais, où Google n'est pas clair, c'est qu'est-ce qu'ils font du pied qu'ils ont dans la fabrication de matériel, et notamment avec Motorola. Bon, et c'est vrai que moi, je suis un petit peu perdu avec, d'un côté, ces éditions limitées, dont ils annoncent encore une nouvelle version, mais elle est disponible qu'aux US, avec une distribution limitée. Motorola qu'ils ont racheté, dont il ne sort rien. C'est ça, moi, qui me chagrine un peu. Mais enfin, ils ont suffisamment de bénéfices pour faire quelques erreurs, et ils n'en font pas beaucoup. Ouais. Hein. La question autour de la capacité de Google à innover dans le matériel est un petit peu dépassée, pour pas dire tout le monde s'en fout quelque part, hormis sur les segments où ils sortent du matériel pour imposer des nouveaux usages. On l'avait vu avec les Google Glasses, on l'avait vu avec ce produit que nous avait montré tout fièrement Cédric à la dernière Google I.O., le Nexus Cube, dont on n'entend plus parler. Il n'est pas mort, mais de fait, il est silencieux. Comme le... Voilà. Oui, mais moi, c'est ça qui m'étonne. C'est quelque part, sur ces initiatives matérielles, les glasses, donc les fameuses lunettes, et puis le Q, un manque de continuité. Et puis, rien à propos de Motorola. Donc, je les trouve toujours pas très pertinents en termes de politique autour du matériel, mais une fois de plus, je pense que c'est un terrain de jeu pour eux, hormis le chèque qu'ils ont fait pour Motorola, dont j'ai tendance maintenant à croire qu'ils l'ont fait uniquement pour racheter des brevets, et puis le reste, ils s'en foutent un peu, quoi.
Un petite parenthèse sur les Google Glasses, il y avait dans le public, vous verrez les images au montage, donc dans le public, il y avait énormément de gens qui portaient ces lunettes. Tel un trophée, hein, je trouvais ça un peu ridicule. Bah écoute, attends, si tu fais partie des si tu fais partie des quoi? Qu'est-ce qui a été annoncé autour, si tu fais partie Google des 500 qui les ont, ou des 600 ou 700 ou 800, je veux dire, si et que tu viens ici, tu es quand même forcé de les mettre. C'est un peu tu vois ce que je veux dire? Si tu as une combi en latex et que tu vas dans une soirée cuir, bah tu mets ta combi en latex, c'est quand même ça normal. Ça fait un peu bizarre. Non, je sais pas si ça fait bizarre, mais tout fait bizarre, c'est le... Non mais moi ça me fait penser la première fois qu'on avait un mec avec un téléphone là, ça faisait bizarre. Hein, alors regarde, il parle à personne. Ouais. Bon, d'accord. Bon, bref, qu'est-ce qui a été annoncé autour de la rien, ça n'a même pas été mentionné sur ça. Il y a eu deux questions au moment de la clé. Mais non, parce que les premiers développeurs qui l'ont commandé les ont reçus là depuis quelques semaines. Donc, ça suit son cours. Il y a déjà des applications, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui a été mentionné? Je crois qu'il y a eu une mention à un moment autour des API de Google et sur l'intégration que tu peux faire des différentes API, des services, dans des applications, qu'elles soient Android ou Glasses. Mais il y a une question qui a été posée à la Repage à la fin sur alors, au fait, le jour où ce sera, vous lancerez la version grand public, parce que c'est pas du tout la version grand public, vous en ferez combien? Et Larry Page a dit ça, faudrait demander à Sergey, c'est plutôt son truc. Moi, j'ai pas les chiffres, mais on sait maintenant, parce qu'Eric Schmidt l'a dit récemment. Ouais, c'était un peu joker. Eric Schmidt l'a dit récemment, c'est quelque chose qu'il faut attendre maintenant pour l'année prochaine. Donc, de fait, si tu veux, ils avaient pas vraiment de vraies raisons d'en reparler sur scène aujourd'hui. D'autant que je suis en train de voir maintenant sur les différents blogs officiels de Google qu'il y a plein de choses qui sont annoncées, qui n'ont pas été annoncées sur scène, hein, mais contraire à plein de choses. Ça veut dire que malgré le fait qu'ils aient mis 3 heures de keynote, ils ont quand même fait des choix. Il y a des trucs qui n'ont pas du tout mentionné sur scène. Je pense que voilà, Glasses, c'était pas l'actualité du moment. On n'a pas de prix définitif sur l'éventuelle commercialisation. Une idée, une échelle, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs à San Francisco autour de la disponibilité? On dit entre 200 et 500 dollars. On dit, hein, mais on... À 200, j'achète. 200, t'achètes. 500... Ouais. 200, 500. 500, c'est un, ouais, 500, c'est un prix de... assez raisonnable. 500, ce serait un prix d'early adopter, quoi. Mais ça pourrait être plus cher, je sais pas. Ce qu'on dit, en revanche, clairement, c'est que ce qui sortira... Google a la capacité de perdre de l'argent en vendant du matériel. Oui, bien sûr, mais c'est pas mais, du coup, de ma part. Hein. C'est une manière d'être très offensif sur sa tarification. On l'a vu avec le Nexus 7. Bien sûr. Oui, le Nexus 7 n'est pas du tout quelque chose qui a été fait pour gagner de l'argent. Mais surtout, on ne sait pas quand ça sortira. Et ce qu'on sait par contre, c'est que ce ne seront pas les mêmes. Elles n'auront a priori pas grand-chose à voir. Enfin, si, ce sera quand même des lunettes. Mais il y a plein de choses à régler parce que des lunettes, c'est pas un appareil. Il y a pas. Enfin, si tu veux, par exemple, toi et moi, on fait comment avec les lunettes qu'on a déjà sur le nez? Je ne sais pas. Il y a donc plein de trucs à régler. Pas. On a l'air malin. Hein, Monsieur X, votre réaction au Google Glasses? Maintenant, c'est ce que je disais. Moi, ma seule réaction, c'est que je suis étonné qu'ils en reparlent pas. Parce que je pense que c'est plus qu'une marotte, il y a un véritable usage, moi, dont je suis friand de voir ce que Google va en faire, surtout que je suis assez dubitatif. Bon, après, effectivement, je fais partie des gens, parce que je dois être jaloux, hein, qui trouvent que les lunettes Google Glasses, c'est aussi ridicule que les grosses oreillettes Bluetooth il y a quelques années, mais je vais m'y faire, hein, surtout que je suis porteur de lunettes, voilà. Donc, par contre, il n'y a pas eu ce qui était une rumeur très forte avant le début de cette conférence, c'est d'une éventuelle montre, d'une Watch by Google. Alors à un moment donné, il y a une personne sur la scène qui portait une smartwatch qui était assez visible. Les gens sont un peu commencé à s'énerver sur Internet. Voilà, il va la présenter. Il va la présenter. En fait, pour l'instant, non, ça reste une rumeur, Cédric. C'est une totale rumeur, alors sans aucune substantiation. Autant, si tu veux, sur la nouvelle Nexus 7, oui, sur les nouveaux téléphones, oui, etc. Là, rien. Là, c'est juste, Apple va en faire une, donc on imagine que Google va en faire une. Non, je pense qu'eux, ils sont sur autre chose. Et puis, ça brouillerait complètement le message dans l'année où ils vont sortir les lunettes, de sortir une montre qui, quand même, ferait pour l'essentiel pas la même chose, mais serait basée sur les mêmes informations, sur les informations de contexte, etc., sur tout ce que fait Google Now. Je pense pas que ça ait beaucoup de sens pour eux de le faire aujourd'hui. Concernant Android, une chose qui était attendue, c'est les chiffres qui sont vraiment très très bons. Là, il y a pas de quoi pavoiser, au contraire, du côté d'Apple. Hein, là, Google domine largement. 400 millions d'activations en 2012, 4 fois de plus qu'en 2011. 900 millions d'activations le jour de la conférence. Attention, je suis pas sûr d'avoir compris. Mercredi soir. Est-ce qu'on dit 100 millions d'activations en 2011, 400 en 2012 900 et 900 millions. Oui, non. Mais est-ce que ça veut pas dire 900 millions à ce jour et pas en 2013? Je sais pas.
Enfin bref, bon, en tout cas, on sait que sur ce terrain, Apple ne peut pas répondre. On a vu que depuis l'année dernière, hein, depuis la précédente Google I/O, que lorsque Apple et Tim Cook avaient tenté d'apporter une réponse et de répondre à ces chiffres de Google lors de sa propre conférence des développeurs, ils ne vont plus sur ce terrain-là de la part de marché, Monsieur X. Ça les intéresse plus la part de marché, c'est la marge qui valorise, on le sait, mais quand même, il va falloir quand même essayer de développer, évangéliser autour de ce standard, et pour ce faire, il faudra certainement sortir un téléphone, peut-être pas low cost, mais à un prix un peu plus accessible à l'image de l'iPad mini. Là, on le voit sur les chiffres qu'il y a une vraie nécessité en termes marketing et en termes de vente. Oui, et là c'est de la faute d'Apple et ils sont vraiment mauvais. Alors c'est vrai qu'Apple a toujours fait la course, pardon, à la part de marché en valeur, ils s'en fichaient de la quantité, jusqu'à l'arrivée de l'iPhone. Où pour la première fois, et ils ont même un peu de chance, mais il en faut, ils ont été capables aussi de faire la course à la part de marché en quantité. Et ils ont été premiers en quantité sur les smartphones avec l'iPhone, puis ils ont répété ce succès-là avec les tablettes. Voilà, puis après ils attendent. Et cette chance unique qu'ils ont eue d'être premiers en quantité et en valeur, ils ne l'ont pas saisie. Et ils n'ont jamais voulu sortir. Je pense que Steve Jobs y était pour quelque chose, et son poids en quelque sorte dans l'entreprise était pour quelque chose d'iPhone Nano, que moi j'appelle de mes voeux. Et puis tu vas voir, ils vont le sortir en finale, et que les rumeurs qui sont là vont se révéler être vraies. Ils vont nous sortir ça pour la fin de l'année en 2013. Ils auront juste 2 ans de trop tard, et ils auront loupé le coche. Et ça va être un petit peu tard maintenant pour rattraper Google. Maintenant, la première victime collatérale d'Android, c'est Windows. Et là, les chiffres que monte Google sur Android sont impressionnants. Et je serai Microsoft ce soir, je serai extrêmement inquiet parce qu'on n'a plus l'impression qu'il y a une place pour un troisième. Et les usages partant complètement sur le mobile au détriment du PC, dont les ventes ont encore chuté de 15% en unité au trimestre dernier. Le futur du système d'exploitation, c'est le mobile et Microsoft n'y a pas de place. Cédric, tu penses que effectivement, tu as la même analyse que Monsieur X? On parle de Microsoft, mais on pourrait aussi parler de Bien BlackBerry sûr. qui a tenu aussi également sa conférence de développeurs cette semaine. Bah, ça va pas être facile. D'autant qu'il y a comment dire, le momentum, comme on dit, c'est-à-dire que tu vois la lancée qu'il y a là dans le monde Android, elle est quand même assez massive. Moi, j'avoue, un, j'avais jamais vu autant de monde à cette grande salle du Moscone où se font toutes les WWDC, où se font toutes les conf développeurs d'Intel, où je viens tous les ans, où se font, etc. Enfin, ça fait X fois que je suis dans cette salle. J'avais jamais vu autant de monde de ma vie. Jamais, jamais, jamais. 5 à 6 000 personnes assises, 1 000 à 2 000 personnes debout pendant 3 heures et demie. C'est fou. Et surtout l'écosystème que Google est en train de développer, autant au travers d'Android, mais aussi des applications, mais aussi de la possibilité de toutes les applications. Exemple bête, si tu fais une application Android aujourd'hui, tu peux intégrer Google Maps dans ton application. Ça a l'air bête, mais c'est quand même vachement important. Ils ont lancé un nouvel environnement de développement qui s'appelle Android Studio, je crois. Tout à coup, tu fais tes applications et d'un clic, tu vois le rendu de tes applications sur un téléphone, mais sur tous les téléphones. Ou sur toutes les tablettes, et tu vois sur un seul écran, quoi, enfin, etc. Ils sont en train à la fois de leur donner des outils d'une puissance incroyable et de leur simplifier la vie, avec en plus apparemment, et ça c'était une des indications chiffrées de ce matin, une monétisation qui elle aussi avance à grands pas, parce qu'elle explique que l'argent qu'ils ont reversé aux développeurs sur les 3 premiers mois de l'année était équivalent à tout ce qu'ils avaient reversé l'année dernière. Donc voilà, là aussi il se passe des choses. Ouais, je pense que cet élan-là, il va être dur à rattraper. Il est quasi impossible à rattraper pour un Microsoft qui, de toute façon, là, se bat avec BlackBerry pour la place de troisième. Et je reviens sur l'outil de studio que Google a annoncé aujourd'hui. Alors moi je suis pas développeur, hein, mais de ce que j'en ai lu, qui a l'air vraiment très très bien. Moi il y a une fonctionnalité, on va dire en tant que personne du marketing, qui m'intéresserait vachement, c'est le service de bêta testing intégré. Qui permet de faire vraiment des publications pour un nombre, je suppose, restreint d'utilisateurs et ce qu'on Ouais, appelle c'est très commun. déverminer son application. Alors, on pouvait faire ça avec iOS quand on développe des applications en entreprise et on peut diffuser ça de manière limitée. On pouvait le faire aussi
sur Android lourd, monsieur, avant, quand même. mais Il faut les numéros d'IMEI, enfin, ouais. c'est ça, l'UDI de du téléphone, enfin, c'est assez lourd quand même. Mais ce service intégré au studio de développement doit permettre, à mon avis, de faire plus, d'attaquer des populations. Et puis, ils intègrent aussi leurs analytics, leurs outils d'analyse qui sont hyper puissants. Ça, effectivement, je suis d'accord avec Cédric, c'est difficile à rattraper parce que quand les développeurs sont appropriés toute cette galaxie d'outils qui leur facilite la vie, qui leur font gagner du temps et de l'argent, quand on s'appelle Windows ou BlackBerry, c'est compliqué de revenir et tenter un jour de dépasser Google. Hein. C'est compliqué parce que Microsoft, on le sait, a toujours été très très fort sur les développeurs, sur les partenariats avec les développeurs, sur les outils qu'ils leur donnent, sur tout ça. Mais là, oui, je reviens juste sur la fonction que décrivait Monsieur X. Les développeurs vont pouvoir maintenant gérer plusieurs choses sur le lancement de leur application. Ils vont pouvoir gérer des phases d'alpha test, de bêta test, et puis après des lancements progressifs. C'est-à-dire juste, c'est pas juste je lâche mon application, j'ai 5 millions de downloads, mes serveurs s'effondrent, mais faire des lancements progressif dans le temps, et puis justement au lieu d'aller chercher ces bêta-testeurs un par un, pouvoir par exemple les recruter sur Google+, avec leur sign-in Google+, ou faire une liste de bêta-testeurs pré-approuvés, etc. Non, c'est voilà, bon, c'est des trucs qui leur simplifient la vie, mais là aussi c'est des choses qui reposent sur toute la galaxie de ce que Google met en place en dehors d'Android. Alors Cédric, tu disais il y a un instant, enfin il y a en début d'émission, que c'était une conférence pour les développeurs. Les développeurs, qu'est-ce qu'ils attendaient? C'est naturellement une nouvelle version d'Android, le successeur de Jelly Bean. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. On sait que dans quelques semaines, c'est la vitrine aujourd'hui du carton d'invitation d'Apple. On s'attend à voir arriver en toute logique et intérêt une nouvelle version d'iOS, iOS 7, redesignée par Jonathan Ive. Et là, patatras, il n'y a pas de nouvelle version précise? Pas de nouvelle release d'Android. Non, mais il y a vraiment que ça qui n'a pas changé, j'ai envie de dire, hein, parce que le Play Store a changé, parce que, enfin, toutes les fois, ah, ils auraient pu juste pour se faire plaisir Les services ont dire voilà, changé. tout a changé, Et là, tout, mais les tout a services ont changé, changé, mais il n'y a pas de mais même à révolution sur le. l'intérieur, je sais pas pourquoi ils n'ont pas dit, tiens, allez, voilà, Ouais. 4.3, toc toc badaboum. Non, bon, bah très bien. Ou alors c'est qu'ils l'annonceront plus tard, mais juste la mise à jour de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin bon, bref. Donc non, de fait, il n'y a pas de nouveau système au sens où, par exemple, l'année dernière, Ça, c'est plus il y avait eu le surprenant quand lancement même. de Jelly Bean qui, lui, était quand même un truc. Était un truc assez. Enfin, c'est surtout le lancement de la Scream Sandwich qui avait tué, mais Jelly Bean aussi. On attendait un Ouais, 4.3, il y a voire un 2 ans. 5.0 qui l'aime pas et tout ça, mais bon, il va falloir attendre un peu. Mais oui, je sais pas pourquoi. Il y a des fois en marketing, ils sont surprenants, il y a des trucs sur lesquels ils sont très bons. Moi, j'aurais été le patron du marketing de Google, j'aurais dit, alors attendez, vous allez me mettre un nouveau numéro de version sur tous vos trucs parce que vous m'avez tout changé, donc c'est un nouveau système. Ouais, mais non, bon, très bien. Alors, ou alors, ça veut dire qu'il y a un vrai nouveau système qui va arriver et que mais je pense qu'ils en auraient quand même parlé ici. Voilà, ça fait partie des C'est vrai, curiosités. Yes, sir. ils peuvent être, malgré, et c'est vrai, moi, ce qui m'a impressionné lors de cette conférence, c'est leur capacité à mener de front des chantiers très importants, ce qui n'est pas forcément la force d'Apple. Hein. On passe du moteur de recherche à Google Maps, on revient à Google Music, on À passe Google à Plus, Google Plus, donc réseau social, à Hangout. Android, Hangout. Hangout qui va enfin Voilà. marcher Et sur après, iPad et sur potentiellement, ils iPhone, pourraient être c'est présentés super. une nouvelle version d'iOS dans un mois. Hein. Et il faut, bon, pas non plus attendre, on verra, à une explosion d'annonces. Bref, c'est vrai que c'est assez impressionnant de la part de Google, mais d'un autre côté, il semblerait qu'ils aient les mêmes difficultés qu'Apple. Et arriver à un certain palier, on ne peut pas révolutionner un système lorsqu'il atteint un niveau de satisfaction suffisant chaque année. C'est plutôt rassurant parce que ça montre qu'Apple n'est pas le seul dans cette difficulté-là. Et au-delà, ils peuvent Non être mais aussi comme Apple un on petit va peu en mettre les retard. choses au clair. C'est peut-être pas finalement pas le bon endroit pour parler de cet événement parce que il va falloir arrêter de comparer Google à Apple. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Apple, ils font Ouais. un peu de logiciel et des jolis appareils. Enfin, non, mais vraiment, en sortant de là, alors Mais qu'est-ce qui c'est lui peut-être arrive? le champ de distorsion de la réalité. Mais Allô? J'ai un coup de fil de Cupertino pour Cédric Ingrand. après avoir Ah oui, monsieur après Cook, avoir oui. après avoir écouté Larry Page. C'est-à-dire que d'un Ouais. côté, il y a une entreprise qui est en train de changer le monde profondément, de l'autre, il y a un Non. club de vieux messieurs pas très bien Mais habillés Cédric, qu'est-ce qui que vendent tu racontes? du très joli hardware. Non. Voilà, j'ai l'impression, mais très honnêtement, j'ai l'impression qu'on. Et c'est amusant parce que c'était les réactions sur Twitter pendant que Larry Page parlait et les gens disaient. Ah bah ça y est, on tient le Ouais. nouveau Steve Jobs, enfin, parce que voilà, ça manquait un peu quelqu'un qui ait de la vision au-delà de ses produits.
Et c'était très vrai, aller revoir la fin de la conf, alors elle n'est pas encore en ligne, mais j'ai l'impression Ouais, qu'il y beaucoup a de un gens qui l'ont vu fossé, en il y a un direct. fossé qui est en train de se creuser, c'est-à-dire sur une ambition qui va au-delà de l'entreprise et au-delà de ses produits. Et là, Ouais. là ça Même s'il y a dépote, beau... quoi. C'est avec toi qui me reproche d'avoir souvent une vision de bisounours. Il y a quand même une super vision de bisounours à la fin. Je voulais qu'on en parle à la fin, mais l'intervention à la fin de Larry Page, où effectivement il fait un discours assez émouvant parce qu'en plus il y a des problèmes de santé avec des problèmes de Ouais, cordes il a une vocales, espèce de voix très douce, un peu où il essaie métallique, il a d'expliquer des que. problèmes de cordes vocales. Ouais, c'est carrément Dark Vador, tu veux dire, mais passons. Et qu'il essaie d'expliquer un petit peu le moteur de Google, changer le monde. Ça nous rappelle un autre discours il y a quelques années d'un autre grand de la Bien Silicon sûr. Valley. C'est très. J'ai l'impression d'écouter, Ah mais... de voir à la fin des communiqués d'Apple. Apple a changé le monde, Apple a révolutionné l'informatique, etc., etc. C'était un discours très évangéliste on avait l'impression d'assister. Et ça sonnait un petit peu creux quand même. Et même il disait par moments, là j'ai trouvé ça complètement fou, arrêtez de taper sur Google, en gros, arrêtez d'imaginer les pires choses. Nous, ce qu'on veut, c'est changer le monde et rendre la vie meilleure. Formidable, allons-y. Et toi, tu y crois à ce discours, Cédric? Eh ben écoute, je Alors, suis en train d'entendre ça le fait tien. assez longtemps que j'y crois assez profondément parce que justement, c'est pas, on sent que la vision va au-delà de tu vois, de j'ai un truc à vous vendre. C'est ça le voilà. Et je pense que la différence fondamentale de culture, elle est là. Non, moi j'étais. Puis alors, il a fait un truc complètement improvisé à la fin, ou enfin improvisé non, mais qui n'était pas prévu en tout cas, où il a dit tiens. Improvisé, je ne sais pas. Improvisé, si, J'ai une c'était question-réponse. absolument pas prévu. Ah non, la conf, elle devait se finir à midi. Hier, on nous disait elle va se finir vers 11h35. Lui, il arrive sur scène à midi et il dit au fait, je vais prendre des questions, on va mettre des micros, voilà, si vous avez des questions, etc. Pour avoir vu certains des gens qui ont qu'ont défilé devant les micros, je vous jure qu'il y avait des questions qui n'étaient pas préparées. Hein. Non, il y a une. Comment Bah, les dire? réponses étaient quand même. Ah bah, les réponses n'étaient pas courtes, hein. Il a pris son temps pour répondre. Mais en même temps, il faut dire que ça faisait près d'un an Oui, et bon, enfin, demi il n'a pas répondu qu'il. non plus. Ça fait Quand vraiment on l'a interrogé sur la copie privée, c'est resté très, très, très langue de bois quand sur même. la copie privée, j'ai pas Voilà, écouté parce que je suis mais parti c'est avant bien la d'y avoir fin pour te répondu. On dire. est très loin de l'univers Apple. Ouais, Ah bah moi, oui, j'ai c'est écouté, quand la mais dernière fois que c'est t'as très posé loin de une l'univers Apple, question chez carrément. Apple à la C'était fin de la impossible de poser une keynote. question à Steve Jobs. Donc, sur ce Voilà. côté-là, c'est un Oui. progrès. Mais c'est vrai que c'était très monde du bisounours et que. Mais on reviendra à la fin de l'émission sur cette Mais la fin de question qui l'émission, c'est est dans 5 où minutes parce que veut, je quel est m'en vais. l'objectif, jusqu'où va aller Apple? Ben, on avance vite, on avance vite. Donc, pas de nouveautés marquantes, je dirais, en termes d'interface, comme il y a eu les années précédentes sur Android. Beaucoup de nouveautés au niveau service, à commencer par Google Music, Cédric. Oui, même si c'était attendu, en fait, quand ils ont lancé Google Play Music il y a quelque temps, on disait pourquoi ils se sont sués à faire un service de téléchargement. Ils ont qu'à faire directement un service de streaming parce que finalement, c'est là que se trouve à la fois leur valeur ajoutée et tout ça. Donc ça y est, ils le font bien après Spotify, Deezer et les autres, un peu avant qu'Apple lance le sien, on imagine. Mais ça fait tellement longtemps qu'on attend qu'Apple lance le sien que bon, là aussi, on va pas prendre ça comme référence. Ce sera 10 dollars par mois, comme Spotify. Si vous inscrivez avant fin juin, ce sera 7 dollars par mois. Et vous aurez des millions de titres et tout ça que vous pourrez partager, C'est-à-dire mettre qu'ils ont sur vos réseaux signé, ça y est, ils ont fait sociaux, le tour de etc. toutes les maisons de disques, c'est En réglé? tout cas, l'essentiel, je pense pas qu'ils aient tout ce qu'a Spotify aujourd'hui. C'est pas possible. Là aussi, Spotify, sur ce marché-là, quand même une très très large avance. Mais. Voilà, ça fait partie de ces choses dont on ne comprendrait pas pourquoi ils ne le feraient pas. On comprend pourquoi Apple y va à reculons, c'est parce qu'évidemment ils ont un business à sauvegarder qui est celui d'iTunes, où il y a quand même encore plein de gens qui achètent de la musique, ce qui est formidable. Voilà, Google n'avait pas ce genre de précautions à prendre, donc c'est logique qu'ils le fassent. Voilà, maintenant, j'ai rien vu de vraiment exceptionnel dans le service lui-même, parce que l'essentiel de ce qu'on peut faire avec ce genre de service a déjà été fait, quoi. Surtout que Monsieur X, un Google, a la capacité de racheter du jour au lendemain quelques grands noms du secteur de la musique comme un Spotify ou un Deezer s'il le voulait. Hein. Oui, mais je pense que c'est pas plus facile pour eux de construire le service, mais ils vont avoir l'assurance que ça soit intégré avec leur réseau social Google+, avec leurs autres produits, et ils ont dû peser le pour et le contre. Ils ont fait le choix de le développer eux-mêmes. Bon, depuis quand même un petit bout de temps, quoi. Moi, je trouve ça simplement logique, c'est l'appétit qui vient en mangeant. Et puis, ils ne veulent pas être en retard aussi, il faut jamais les oublier dans le jeu dans lequel est Google. Il faut pas oublier leurs concurrents de chez Amazon. Et ils ne veulent pas être en retard en termes de services qu'ils proposent
aux internautes. Et puis la musique, ça fait partie des fonctions de base. Donc Google se doit d'avoir un truc qui a un bon service de streaming. Bon, voilà, je pense pas que ce soit la plus grosse annonce On va voir. De On ce va essayer de temps soir. de développer. Voilà, C'est Google vrai que Maps l'autre. m'excite beaucoup plus, qui avait déjà de l'avance sur tout le monde, et qui là, remet, comme le dit fort justement Cédric, un vent à tout le monde et creuse le fossé avec quoi que ce soit d'autre. Hein. Alors, Maps, allons-y, tu en parlais, Monsieur X, une fusion majeure de Maps entre Maps et Google Earth. On l'a vu notamment sur la version Desktop, la version pour PC et pour Mac. D'une manière amusante, vous avez vu, ceux qui ont regardé les images, mais on va essayer de vous les diffuser. Ils ont fait référence à la version de Google Maps, qui est un vrai succès sur iOS, et surtout, ils ont bien insisté sur ce thème qui marche. Voilà, ça a dû faire plaisir du côté de Cupertino et du côté de Scott Forstall notamment, du temps où il était encore à Cupertino, mais passons. Alors, Google Maps, c'est une démonstration assez impressionnante quand même, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah c'est beau, hein. Mais ça faisait longtemps qu'on attendait une mise à jour enfin marquante. C'est très beau, ça prend beaucoup plus de place sur l'écran, c'est-à-dire que t'as pas des cadres, tout ça se fait maintenant au-dessus, il y a plein de choses qui ont été simplifiées. Le tout se passe sans plugin directement dans le browser, avec des choses où ça fait partie de ces choses que j'aime bien chez Google, c'est-à-dire qu'il y a des trucs où ils font qui sont presque gratuits, j'ai envie de dire, mais ils sont pas forcés de le faire, mais c'est dément. Tu es sur une vue ici du Moscone Center en 3D, et puis tu recules, tu vois toute la ville, et puis tu recules, tu vois la côte ouest des États-Unis, tu recules machin, et à la fin tu as un globe terrestre devant toi, et puis et voilà, et tu peux te déplacer dans l'espace parce qu'il y avait Google Space, et tu vois les étoiles là où elles sont, et tu passes de l'autre côté de la Terre, et tu vois la partie qui est en pleine nuit. Avec les vrais éclairages de la nuit, tu reviens Ouais, sur l'autre c'est vraiment côté. impressionnant. Et non, mais surtout, et là on te dit, ah oui, au fait, les bandes de nuages que vous voyez sur la En Terre, temps réel, ce sont des quasiment. images en temps réel. Et là, tu dis, Ouais, en temps ah réel. ouais, d'accord, vous êtes vraiment de grands fous. Oui, mais il y a une partie du 7e arrondissement de Paris et puis une partie de Lyon qui est disponible dans plan en 3D maintenant, depuis 10 jours. Nous voilà rassurés. C'est vrai que bon, c'est arrivé la semaine dernière. Plan est arrivé en 3D. Paris est arrivé en 3D sur plan. Une petite Mais partie, Olivier, hein. ouais, une Pas petite tout, partie. on va pas se presser C'est quand même, moche. hein. C'est Mais moche. On sait ce qui est pas amusant, c'est qu'il y a une ce qui version, t'a fait ton ancien employeur, dédiée. mais la vengeance, c'est un truc qui se mange froid, apparemment. Ah non, Pour les non, Français, là en je suis tout cas, un certainement. utilisateur frustré, hein, c'est tout. En ce qui concerne Google, pas Earth, mais Google Maps, j'y suis arrivé. Donc, ils ont annoncé une nouvelle version pour tablette et notamment pour iPad, dédiée à l'iPad avec les points d'intérêt. Un gros effort, Cédric, sur les points d'intérêt, sur comment trouver un restaurant, la possibilité de noter un musée, par exemple, que l'on visite. Ça aussi, c'est une valeur ajoutée. Hein. Ça va bien plus, en termes d'information, bien plus loin que l'agrégation et donner des directions. Mais on vous dit quel endroit visiter, quel endroit où il faudrait manger. Et ça va beaucoup plus loin. On voit qu'Apple, si c'est freudien, Google déroule toute sa puissance. Dans ce domaine, il y a une vraie avance sur Apple de ce Bah, côté-là. c'est-à-dire que par exemple, ils ont accès à des données sociales sur qu'est-ce que moi hier je cherchais un restaurant autour de mon hôtel ici à San Francisco. Tout à coup, il a pu me donner un classement à partir soit des informations de Zagat, qui est ce guide qu'ils ont racheté il y a quelque temps, soit des indications de gens qui font le plus de critiques sur Google+, soit juste des indications de mes amis, où est-ce que mes amis ont déjà dîné dans le coin. Donc ouais, forcément, ils ont accès. C'est leur capacité à agréger des données absolument hétérogènes et à en sortir de l'information qui a une valeur pour toi. C'est ça le fond de leur métier. C'est pas de faire du hardware, c'est pas de faire ce genre de. Enfin, tout ça est presque accessoire. C'est juste que ça leur donne accès à un volant de données qui peuvent corréler avec d'autres données publiques, par exemple, le temps qu'il fait, tout le reste, et te donner. Google Now est peut-être le meilleur exemple. Et maintenant, ça existe sur iOS, donc vous pouvez aller le tester. Même si je suis désolé de vous dire qu'il est moins bien sur iOS, mais voilà, cette capacité à traiter toutes ces données pour des centaines de millions d'utilisateurs en quasi temps réel, c'est ça le métier de Google en fait. Et l'ensemble des nouveautés qui ont été présentées ce soir sont quasiment toutes disponibles là maintenant au moment où on enregistre l'émission. Donc ils vont très Ouais, vite. pour l'essentiel, Très ouais. très vite parce qu'on est en retard, Cédric. Un petit mot sur Chrome. Oui, un petit mot sur Chrome. Donc Chrome, c'est à la fois un navigateur, c'est à la fois un système d'exploitation cloud, dirons-nous.
pour les machines sous, enfin, estampillées Google. On en est où de ce côté-là? Est-ce qu'on va assister, comme certains oracles l'annoncent, à une fusion possible entre Ça, ça, les deux principaux systèmes qu'on ça pour le commercialise aujourd'hui, coup, Google, à savoir ça pour le Android coup, et Chrome? ça faisait partie des rumeurs d'avant Google I/O où on disait, c'est peut-être là finalement, il peut-être qu'il y avoir une nouvelle version, mais qui serait surtout une unification des deux. Ils l'ont démenti hein, plusieurs fois ils ont dit non mais attendez, pour nous c'est quand même des choses différentes, on va pas tout faire en même temps. Et ben ce sera pas encore pour ce coup-là. Donc non, Chrome OS d'un côté, Chrome le navigateur de l'autre, et Android reste des choses enfin séparées. Mais en même temps, ça fait sens quand on voit ce que les gens font avec Chrome OS, qui reste quand même quelque chose d'assez limité volontairement. Donc non, donc il va y avoir des mises à jour de Chrome, mais des mises à jour de Chrome, il y en a absolument tout le temps. Et puis avec surtout des nouvelles fonctions de choses qu'on pourra faire dans le navigateur. Regarde ce qu'on avait parlé de Maps sur le search, hein, sur la recherche en ligne. Maintenant, ça y est, tu vas pouvoir faire de la recherche en ligne à la voix. T'as les gens qui disent OK Glass pour prendre des photos, bah tu pourras faire OK Google et faire des recherches à la voix, vraiment en absolument libre, sans toucher le clavier. Les démos qui ont été faites sur scène ce matin étaient vachement impressionnantes. C'était vraiment Ouais, impressionnant. c'était Ça waouh. reste des démos, Non, c'est et puis vrai. surtout, c'est pas ça, c'est que ça répondait à des questions où il fallait que le logiciel, enfin que Google, comprenne le contexte de ta question. Exemple, tu dis quels sont les meilleurs restaurants à Los Angeles? Ah, très bien, voilà, il te les sort. Et après, tu lui dis et au fait, il me faut combien de temps de voiture pour y aller? Y aller, on est dans le pronom. Donc il faut comprendre ce que tu as fait avant pour arriver à répondre efficacement à ta question. Là-dessus, ils sont quand même très, 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 très forts. C'est vrai que sur ce côté-là, ça met plutôt une claque à Siri. Reste à savoir si la solution sera aussi efficace en version finale et ce sera aussi efficace dans d'autres langues que l'anglais. On sait que Siri est plus efficace en anglais qu'en français. Hein. C'est loin, c'est voilà, c'est pas Peut-on discuté. vraiment parler d'efficacité avec Siri? Oui, voilà. Ouais, bon, C'est vraiment, en un anglais, c'est qui marche oxymore, mieux. monsieur, ça. Pour terminer, moi, mon service chouchou, puisqu'on l'utilise ce soir et qui fonctionne Ah, plutôt quand bien même. hein, pour ceux qui nous Ah, quand regardent même. Je en l'attendais. direct. Oui, c'est Google Plus. Alors, apparemment, Google garde de l'appétit envers les réseaux sociaux. On sait que c'est difficile de contrer Facebook, de contrer Twitter, qui domine largement le secteur des réseaux sociaux. On sait que Google s'est même fait dépasser par Pinterest en termes d'utilisateurs. Pourtant, ils y croient, ils y reviennent avec une mise à jour majeure de Google Plus sous forme de colonne qui rappelle Pinterest notamment, et une multitude de services une nouvelle fois, Cédric. Oui, alors ils n'ont pas tout détaillé. On dit il y a 41 nouvelles fonctions dans Google Plus. Celles qu'ils ont mis en exergue, qui sont vachement intéressantes là encore, c'est par exemple le fait que quand tu vas poster quelque chose sur Google Plus, si tu l'as autorisé, Google Plus va regarder le contenu de ce que tu as posté, va regarder la photo, le commentaire, etc., pour essayer de comprendre de quoi tu parles, d'où ça vient, à quel endroit, est-ce que ça se rapporte à un événement, etc., pour arriver à mettre un hashtag automatique. C'est-à-dire que par exemple, si là je prenais une photo de dehors et que je dis regardez la vue du lounge de Google I/O, et ben d'un coup il pourrait me le taguer automatiquement Google I/O, ce qui permettrait de le retrouver dans des flux autour du tag. Enfin, c'est le principe du hashtag. Mais ça va jusqu'à la reconnaissance de l'image. Il montrait un exemple qui était quelqu'un qui avait pris une photo de la tour Eiffel en noir et blanc avec la tour Eiffel sur un fond de nuage. Et ben, ils avaient reconnu la tour Eiffel. Donc tu cliquais dessus, tu pouvais voir des photos contextuelles avec d'autres photos de la tour Eiffel. Un peu comme fait Flickr aujourd'hui, quoi. Oui, L'idée, sinon hein. que là c'est juste de la localisation. Là, c'est vrai, on est vraiment dans la reconnaissance de ce qui se passe à l'intérieur de l'image. C'est pas que de la localisation. Donc Ouais. ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Google Plus? L'outil de Ah chat bah qu'on utilise le ce soir, Hangout. Cédric, hein, qui a Ah vraiment bah le progressé et Hangout. qui est une très mauvaise nouvelle pour BlackBerry qui porte, et que c'était la principale annonce majeure de la semaine pour iOS, l'arrivée de BBM sur iOS et sur Android. Donc le système de messagerie d'Android, Bah ça faisait quoi? Ça BlackBerry, faisait pardon. 3 ans qu'on disait que ce serait bien que BlackBerry sorte BBM pour d'autres plateformes. Là aussi, ils l'ont fait, mais ils le font vraiment trop tard, à mon avis. Surtout, la grosse, grosse bonne nouvelle, quand même, parce qu'on est dans Orfel Max, c'est que ça y est, Hangout arrive sur iOS. Il remplace Talk, et tout à coup, vous allez enfin pouvoir faire des Hangouts sur iOS, qui est quand même le plus bel outil de vidéo du moment. Je crois ils sont fait un tout petit peu plaisir en disant oui, et puis chez nous, la conférence à plusieurs est gratuite, contrairement à Skype. Enfin, ils n'ont pas nommé Skype, mais on a parfaitement compris de qui ils voulaient On a parler. compris.
fait. Ouais. Voilà, et puis vraiment, c'est de fait, hein, pour l'utiliser toutes les semaines ensemble, c'est le meilleur outil du genre. Ça, il n'y a pas photo. Et surtout, ça devient, du coup, ils réintègrent dans un seul outil tous leurs outils de chat, de texting, de je t'envoie une image, etc., etc. Même de collaboration, parce que c'est aussi un outil de collaboration vidéo. Moi, je trouve que ça a pris un peu de temps, mais c'est vachement bien. Et surtout, voilà, tout à coup, ça devient vraiment multiplateforme. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des hangouts avec mes amis qui sont sous iOS et ailleurs. Enfin, on n'a plus besoin de se poser la question de savoir il y a quoi comme smartphone. A priori, tant que c'est pas Windows Phone, ça va marcher, quoi. Si je peux rajouter à ça une des annonces dont on va peut-être pas parler beaucoup, mais moi qui m'a intéressé, qui est Google Play pour éducation. Tu disais que bon, la disponibilité de Hangout, bien meilleure qu'elle ne l'était avant sur tablette et sur iOS, c'était un pavé dans la mare de Microsoft et de Skype. Je crois que Google Play pour l'éducation, qui est une version dédiée au marché de l'éducation de leur store, ça c'est un pavé dans la mare, voire un crachat à la face d'Apple, parce que c'était un petit peu le Fonds de marché commerce. réservé d'Apple, et ils sortent un magasin en ligne où évidemment l'utilisation d'outils collaboratifs comme Hangout, le fait aussi que Google ait annoncé qu'ils allaient vendre du matériel ou subventionner du matériel pour les étudiants et les jeunes à un prix vraiment plancher, fait qu'ils vont se développer autour des outils collaboratifs encore beaucoup plus que maintenant, et avec comme cible les plus jeunes, en utilisant la même tactique qu'Apple il y a quelques années, c'est-à-dire en les prenant entre guillemets au berceau, dès le collège, dès le lycée et dès l'université. Et je pense que ça, c'est une annonce qui va intéresser beaucoup les enseignants qui aujourd'hui utilisent l'iPad, mais qui se battent parce que le magasin en ligne d'Apple pour iTunes pour distribuer leurs propres applis n'est absolument pas souple. La promesse que fait la Google, c'est que le Google Play pour éducation pourrait être vraiment un magasin que les enseignants pourront tordre pardon, à leurs mains et vraiment utiliser et en faire leur propre store de distribution de contenu. Et pour conclure là-dessus, Monsieur X, pour encore enfoncer le clou par rapport à Apple, Apple avait beaucoup innové et c'est ce qui nous a inspiré cette émission avec un logiciel qui s'appelait iChat, maintenant qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Messenger, je ne sais plus, enfin bon, Il Message. s'appelle Message, même le i a disparu. Voilà, qui permettait, qui était le premier logiciel sur ordinateur pour faire de la multiconférence vidéo, vraiment ça nous a inspiré, on refait le Mac. Et ce logiciel, depuis quelques années, est totalement figé. Ça aurait pu évoluer vers des solutions web comme fait Google aujourd'hui. Et encore une fois, ça illustre bien la capacité qu'a Google et que n'a pas Apple. S'il y avait quelque chose à pointer du doigt ce soir, une vraie différence et une vraie inquiétude pour l'avenir, disons-le, c'est cette difficulté à gérer des projets majeurs de front. Alors certes, le chat, ce n'est pas majeur, mais ça peut déboucher sur ce qu'on fait ce soir, des visioconférences entre des dizaines de personnes avec un mobile, etc. On sait que FaceTime n'est pas. En tout cas, aujourd'hui, ne gèrent pas la multiconférence, qu'ils n'ont pas voulu fusionner FaceTime avec iChat. Bref, il y a vraiment à resserrer des boulons et vraiment à faire évoluer cette entreprise qui, certes, veut fonctionner comme une start-up, mais quand même, il y a quand même plusieurs choses sur le feu. Il faut de temps en temps secouer la casserole. Pour conclure, donc on aurait pu parler de la photo. Hein. Il y a des outils de retouche photo assez puissants. On aurait pu également parler qui est assez lié également à l'annonce d'Adobe la semaine dernière, d'un passage totalement quasiment sur le cloud de ces solutions et qui sont intimement liés également aux solutions de Google ce soir parce qu'il y a beaucoup de solutions d'utilitaires de plus en plus sur le web, de web apps carrément, hein, sur le web qui permettent de faire plein de choses. On conclut sur Larry Page. Tu disais tout à l'heure, Cédric, toi qui t'avais impressionné, tu considérais un petit peu que c'était le futur Steve Jobs. Il y avait une image quand même qui est assez frappante. Regardez-la. On voit Larry Page qui conclut cette émission sur une image de Google Earth, hein, de Google Maps. En clair, il est derrière une immense planète. Il domine le monde, on peut le dire. Est-ce que c'est ça l'objectif de Google? Est-ce que c'est ça ou jusqu'où va s'arrêter Google, Cédric? C'est intéressant parce qu'ils ont d'un côté des choses très quotidiennes sur le système, le search. Enfin, tu vois, ils ont le bread and butter, quoi. Ils ont le truc qui fait tourner le tiroir caisse, c'est-à-dire la pub, la recherche, etc. Tu vois, Leur
pas eu un mot sur la leur, pub ouais, aujourd'hui. leur C'est quand métier. même le fond de leur modèle économique, en tout cas. Ça, ouais. Et, Ça concerne pas trop mais à les côté de développeurs. ça, ils ont des trucs de fou. C'est-à-dire que tout ce que fait Sergey Brin, qui a quand même lui le job le plus dément du monde, c'est-à-dire qu'il est à la tête de Google X et en gros, il est à la tête de tous les projets fous. Ils n'ont pas parlé de la Google Car ce matin. Il en a parlé lors des questions-réponses, justement, parmi les choses qui l'excitaient Voilà, bien beaucoup. sûr, parce qu'en plus, Hein, ces voitures automatisées qui permettent, dans son discours de fin, hein, il en a beaucoup parlé en disant voilà, on va sauver des vies en gros, hein, Oui, ce sera puis c'est pas ça, plus de c'est sécurité, en gros, ils réalisent moins des de. visions qui n'étaient pas, enfin, en tout cas, des promesses qui n'étaient pas forcément les leurs au début. Ce qu'ils réalisent aujourd'hui, c'est, tu sais, Microsoft, il y a 10-15 ans, ils disaient c'est the magic of software. Quand tu vois ce que tu as vu ce matin, c'est the magic, c'est enfin, tu as des trucs qui s'approchent de la magie. Magic of Web Ben oui, App. c'est-à-dire qu'il l'a bien compris. Le software, il est dans le Il est sur cloud un maintenant, marché où monsieur. le hardware est un peu commoditisé, où les prix se sont effondrés, où le prix du processing et du stockage sont effondrés. Donc la magie, elle est où? Elle est dans les infrastructures. Et ça fait partie aussi des choses dont il ne parle pas. Mais si tu veux, la moitié du métier de Google, c'est de faire des data centers les moins chers, les plus efficaces, les plus, etc., etc. C'est de faire du réseau. Et puis c'est de faire le software qui va animer tout ça, parce que par exemple la Google Car, par exemple les Google Glasses sont aussi des choses qui vont produire énormément de données que Google va pouvoir exploiter pour encore arriver à les corréler avec d'autres Ouais. choses et te donner des informations Et et trouver trouver d'autres et applications, voilà hein, et créer d'autres de la valeur et de services. l'intelligence. Et ça ils l'ont compris. Moi il y a un des trucs qu'a dit Larry Page que j'ai trouvé. Bon alors c'est drôle parce qu'il faut être Larry Page pour dire un truc pareil. Il disait finalement il faut qu'on ait un droit à l'expérimentation. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait quasiment un pays tenu par les développeurs où ils aient le droit d'expérimenter des trucs dans leur coin, sans que ça cause de la disruption sur le reste du monde. Mais voilà, on voit bien, c'est vrai. On est quand même, on est à, là, on, là, on est là ici maintenant, à l'endroit où je me trouve, à l'épicentre absolu du fantasme de geek. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. que ici, les geeks ont gagné, quoi. Ça y est, le reste du monde n'a plus beaucoup Ouais. d'importance. Monsieur Extraréaction, on sait que tu es assez. Moi, c'est. On n'a pas beaucoup de recul, hein, mais le sentiment que j'ai, et Dieu sait, on s'est pas battu avec Cédric, mais bon, on a ricané un petit peu Pour Google depuis, No, il y a deux, trois depuis pas mal numéros. de temps, en disant ouais, iOS c'est bien, mais bon, nanana, tu dis qu'Android c'est mieux, ouais, mais bon. Et on a traîné la patte comme ça pendant Ah, je suis quelques pas temps. Mais le d'accord. sentiment que j'ai, moi, c'est que. Avec cette conférence, quand on regarde tout ce qui a été montré, même s'ils n'ont pas mis un numéro de version sur Android, on peut dire définitivement, c'est Google maintenant qui fait la tendance. Il y a encore 2 ans, c'était la WWDC peut-être qui faisait la tendance. On disait, on va voir si Google fait aussi bien. On va voir si Google est capable de. On va Je voir ce suis que là. Google est capable de rattraper. Maintenant, c'est complètement l'inverse, hein. De par le calendrier. Mais surtout de par le contenu, de par les résultats. Et aujourd'hui, on peut dire que sur le quotidien, sur les produits annoncés pour demain et sur les directions du futur, comme avec les lunettes, la voiture, c'est Google qui fait la tendance. Et on en est à se dire pour la WWDC dans un mois, est-ce que au moins Apple va pouvoir faire aussi bien? Tu vois, pas mieux. Est-ce que Apple va au moins pouvoir combler l'écart que Google vient de mettre? Et là, il y a vraiment un passage de témoin qui a été fait, et le leadership maintenant, ça m'embête de le dire, mais il est d'un point de vue logiciel, technologique et usage dans les mains de Google, et je vois pas qui va aller les détrôner. Je propose qu'on débaptise, on refait le Mac par le Mac est fait tout court. Le Mac est fait. Le Mac, ah ouais, il est cuit là En fait, en ce moment. je suis en train de On attend des m'apercevoir qu'ils auraient nouveautés. pu faire une keynote qui aurait duré la journée, parce que je suis en train de voir des annonces qui tombent. Par exemple, bon, on connaît Google Wallet, c'est-à-dire le système de porte-monnaie qui permet par exemple de payer ses applications. Bah, depuis ce matin, tu peux envoyer de l'argent de ton Google Wallet directement par Gmail. Tu peux envoyer de l'argent à tes amis. Ils n'ont pas fait leur propre Bitcoin, mais. Et ça, c'est pour PayPal. On voit, ils sont partout, hein, mais Cédric, ils positionnent Ah, bah, leur si tu as pion un App Store, il faut que tu aies un porte-monnaie. sur tous les marchés Bien sûr. potentiels. Bien Ouais, sûr. c'est redoutable. Pour conclure, Cédric, il y a aussi une velléité peut-être Attends, j'ai une du question moteur de Twitter, recherche. Alors, allez-y. mais c'est juste pour rire. C'est C'est pas vrai. 7619 qui Ouais. dit Hangout sur iOS, c'est trop bien, mais pourquoi pas un FaceTime multiplateforme?
Merci. Ah ben avec les fameuses API que nous avait promis Mais Steve. Bien sûr, On car les attend je vous toujours, rappelle hein, que les API. FaceTime est un outil produit sur les standards du marché et que donc il va être ouvert au marché. Ça fait bientôt 3 ans que Steve a fait cette promesse. Je pense que ce n'est plus du tout d'actualité. Ça montre qu'on enregistre vraiment dans les conditions du direct. Hein. Oui, alors dernière chose, dernier chantier peut-être qu'envisage de faire dans l'avenir Google, on sait, tu es aux États-Unis, Cédric, on sait que Google est en train de déployer de la fibre aux États-Unis. En clair, est-ce que Google veut devenir un opérateur? On sait qu'il est en guerre, notamment avec les FAI en France, et on pense notamment à Free. Est-ce que c'est ça sa réponse? Alors, le début du projet Google Fiber, c'est d'abord d'expérimenter, de dire si tu donnes une connexion d'un gigabit synchrone, c'est-à-dire un gigabit dans les deux sens, en download et en upload, à des gens, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment ils vont l'utiliser? C'est quoi la conséquence de, on va dire, la bande passante illimitée? Quand je dis qu'ils le donnent, ils ne le donnent pas, ils le vendent. Hein. Enfin, ils le vendent à un prix où aux États-Unis, en gros, ils le vendent pour le prix d'un abonnement au câble ou d'un gros abonnement ADSL. C'est-à-dire, je crois que c'est 60 ou 70 $. Tu peux prendre la télé, c'est plus cher, enfin peu importe. Mais je te promets qu'à ce prix-là, moi, même à Paris, je paierais pour ce prix-là pour avoir un gigabit à la maison garanti. Ils ont commencé à Kansas Théorique. City. Là, ils le font. Chez mes amis les Mormons à Provo dans l'Utah, qui est une ville très high-tech, c'est là qu'il y avait Novell, c'est là qu'il y avait tout ça. Ouais, bon. Alors on se dit c'est en train de migrer, c'est-à-dire que on n'est pas en train de s'éloigner de l'expérimentation, mais ça sert à quoi de faire la même expérimentation dans X ville? Qu'est-ce que ça va leur apprendre de plus? Je suis pas sûr. Du coup, Alors, est-ce qu'ils vont devenir opérateurs? c'est une bonne question. Je pense que c'est juste. Je pense qu'évidemment, ça reste une expérimentation pour eux. Ils en apprennent beaucoup de choses à la fois sur la maintenance des réseaux, sur tout ça. Et puis, je pense que c'est aussi un message en sous-main envoyé aux opérateurs, une façon de leur dire: me cassez pas les pieds, me chiez pas dans les bottes. Pas dire Je autre suis en chose. train d'apprendre votre métier, je saurai le faire probablement beaucoup mieux que vous, car moi j'ai tout le reste de la galaxie des services autour, donc me cassez pas les pieds. Je Change pense de que nom. voilà, je pense que c'est ça le message. Voilà. Bon, maintenant, reste à savoir comment Apple va répondre par des nouveautés, on l'espère, produits, parce que là, l'année était longue, croyez-moi, du côté d'Alcatel à la rédaction. C'est pas passé grand-chose depuis le mois d'octobre, hormis un iPad 128 Go révolutionnaire, bien évidemment. Au mois Mais de janvier, on oui. attend véritablement, et c'est Ah oui, c'est tout, vrai. et quasiment quoi, quasiment. Et quelques nouveautés On côté attend des Mac, mais nouveautés bon, elles ont été hardware pour la annoncées dès la fin de l'année WWDC? dernière. On espère quand même des nouveautés du côté des MacBooks, notamment les MacBook Air également, qui n'ont pas été mis à jour depuis un moment. Bref, on verra. Mais en tout cas, on attend véritablement de voir quelle sera la réponse d'Apple à Google, savoir si Jonathan Ive va pouvoir imposer sa vision et peut apporter une vraie valeur ajoutée au logiciel comme il a su si bien le faire pour le hardware. La réponse, allez, on fait un petit zig pour Refait le Mac, ce sera le mois prochain dès 18h40 sur refaitlemac.com parce que naturellement, si tout va bien, nous serons en direct. Voilà. Messieurs, on est très en retard, Cédric doit aller à sa conférence, nous passons directement aux questions Twitter, non pas du tout au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Cédric. Moi, j'ai un vrai coup de cœur, mais qui est permanent pour une fonction que j'aime, dont j'aimerais qu'elle existe dans l'iTunes Store et qui existe dans le Play Store de Google. Le Play Store de Google, il existe en ligne sur le web et je me connecte et je mets mon login Google et je vois mes applications installées, etc. Et puis je vois les nouvelles applications. Si je clique sur une app, il va pas m'ouvrir un logiciel ou non, mais non. Il va me dire: ah, cette app vous intéresse? Vous voulez l'installer? Sur quelle machine? Sur la tablette machin? Sur le Galaxy Truc? Tu dis sur le Galaxy Truc et sur ton téléphone. Une minute plus tard, l'application s'installe toute seule. Voilà, Apple, si j'ai une demande à faire, c'est que ça fasse la même chose pour mes iPads, pour tout ça, que j'ai pas besoin forcément de connecter. Enfin voilà, qu'on puisse, quelle que soit l'interface, installer. Oui, c'est tout ou rien, tu n'as pas le choix, c'est ça chez Apple que tu veux dire, Bah, en t'es clair. forcé de le faire sur la machine sur laquelle tu veux l'installer. Tu peux pas dire: tiens, je suis sur mon Mac, je suis en train de regarder l'iTunes Store, ah, elle est bien cette app-là. Non, il faut que je reprenne et que je me reconnecte à l'App Store. C'est vraiment casse-pied. Et il va D'accord. être temps de le faire parce que Google, là aussi, prend une avance qui est assez rigolote. C'est que, étant donné qu'il permet aux
développeurs d'applications et aux sites web d'utiliser le login Google. Exemple, imagine, tu vas sur On refait le Mac, on te dit vous voulez que vous connectez avec votre identifiant Google, tu te connectes, ça t'ouvre une fenêtre disant ah mais je vois que vous avez des appareils Android, vous n'avez pas l'application On refait le Mac, voulez-vous installer l'application On refait le Mac sur votre tablette? Ça l'installe et à partir de Bien ce sûr. moment-là, il y a des choses que tu vas pas pouvoir synchroniser entre le site web et la tablette. Par exemple, tu regardes le dernier épisode du podcast regardé sur le site web et ce sera pareil sur la tablette. Ou par exemple, tu prends une notification qui arrive sur ton téléphone. Si tu regardes la notification, tu ne la verras pas sur la tablette qui est à côté. Voilà, c'est la gestion de l'écosystème où là, je pense que j'aimerais bien qu'Apple annonce des choses de ce genre au moment de la WWDC. Parce que c'est vrai que par exemple, quand je laisse mon iPad et que j'y touche pas pendant 2-3 jours, que je le rouvre et que j'y revois les 72 notifications que j'ai déjà vues par ailleurs, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais ce qui est formidable chez Cédric, hein, pour ceux qui nous regardent en direct, c'est que il est toujours pressé, mais c'est toujours celui qui est le plus long. Hein, mais voilà. Monsieur, est-ce quel est votre coup de cœur ce soir? Bah, vu l'état d'Apple ce soir, je suis obligé d'aller chercher un petit peu plus large, hein, mais quand même à la périphérie de la pomme. Donc, premier coup de cœur, une application pour iPhone et iPad, mais surtout iPhone, et qui est à la périphérie d'Apple, c'est une application de BMW. Alors parmi et qui s'appelle BMW i. Alors parmi mes marottes, hein, il y a évidemment Qu'est-ce l'écologie qui permet de se donner bonne conscience, et c'est un peu ce que fait BMW avec BMW i. C'est une application qui utilise votre GPS que vous déclenchez, que vous utilisez avec vous quand vous utilisez votre voiture, et qui en gros analyse votre parcours et vous dit avec la future BMW tout électrique. J'ai analysé le parcours que vous avez fait aujourd'hui avec votre voiture à essence et vous économiseriez temps et vous feriez du bien à la planète comme ci et comme ça. Donc c'est une espèce de première application qui promeut les futures voitures de BMW électriques en vous accompagnant et en vous donnant une vue de comment ça pourrait changer votre vie et si vos trajets sont compatibles avec l'utilisation d'une voiture électrique. C'est évidemment aussi une manière pour BMW certainement de se constituer une base de prospects toute Bah tiens. trouvée le jour où ils vont lancer leur voiture. Je vous mettrai l'URL, mais pour ceux qui aiment les voitures, on va dire les applications sur iPhone et qui sont sensibles à ce marché-là du renouvellement de la voiture, c'est vraiment quelque chose à essayer. Et puis ma deuxième marotte qui est à la borne d'Apple, hein, parce qu'on sait qu'Apple s'est beaucoup inspiré des design Braun, c'est un produit d'électroménager qui est mon autre grande passion et qui est un produit d'une société suisse qui s'appelle Lorastar et qui fait des centrales vapeur. Et ils ont sorti une nouvelle petite centrale vapeur Mais c'est pas portable possible. qui s'appelle la Lorastar Lift. Je vous mettrai là aussi l'URL, allez voir le film qui est assez sympa. En gros, hein, les centrales vapeur c'est mieux. Moi je les utilise notamment parce que ça me permet de repasser en un trait des kimonos avec du coton très très épais. Mais c'est très très Bon, lourd. Madame X ne te repasse pas de ses Et kimonos, non, monsieur X. je fais tout moi-même, monsieur. Mais Madame c'est très lourd, Colombo, ouais, c'est chiant à vraiment à porter, même au sein de ton appartement. C'est une vraie galère. Une fois que tu l'as rangé dans le placard, tu repasses plus en fait, parce que rien que de la sortir, c'est pénible, à moins évidemment d'avoir une pièce pour ça. Et bien, Lorastar a sorti leur nouveau produit qui est tout ce qu'il y a de bien dans une centrale vapeur, mais sans le poids. La Lorastar Lift Plus, vraiment un bon petit produit si vous aimez le bel électroménager et que vous avez besoin de ce genre de truc parce que votre femme repasse pas, ce qui est le cas de la mienne. Allez, je vais vous remonter le moral pour les passionnés de Je Mac suis et forcé contredire, de dire monsieur, il que faut dire qu'on peut. je suis forcé de dire que j'ai la même à la maison, et de fait, c'est absolument remarquable. Même si chez moi, Ouais. la fan de la Alors, je vais centrale essayer vapeur, c'est de. plutôt Madame Ingrand. Oui, mais lui, si, voilà, on sait que c'est le patron, monsieur Cédric, hein, c'est bien. C'est... Je vais essayer de remonter le moral de ceux qui ont un peu le moral cassé ce soir à cause du monsieur X. Oui, on peut encore innover du côté du Mac ou de l'informatique en général, et du hardware notamment. Regardez, j'essaie de le faire rentrer dans le cadre, c'est pas évident. Alors, il y a la marque qui apparaît en gros, donc c'est facile. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis, hein? C'est vraiment du mal à rentrer dans le cadre. Oh, qu'est-ce que c'est? Et là, je vais le tourner, vous allez tout de suite comprendre ce dont il s'agit. C'est évidemment le dernier écran de chez LG, un écran king size, un écran cinémascope du 21e, un vrai écran qui permet d'afficher véritablement toute l'image vidéo d'un film cinémascope en entier. Pour les monteurs sous Final Cut, comme notre réalisateur François Bontemps, c'est du bonheur parce que. Avec, c'est lourd quand même. Avec les alors on va le mettre sur le côté. Voilà. Avec les interfaces façon Final Cut qui sont toutes en largeur, bah, vous avez véritablement tout votre montage qui apparaît à l'écran. Une résolution qui est très proche du 27 pouces d'Apple, mais avec
un prix nettement inférieur puisqu'il est autour des 600 euros. Et bonne surprise, il y a même un DisplayPort, donc on peut brancher son Mac via un petit câble qu'il faut acheter en option. Vous retrouverez le test dans le prochain numéro d'iCreate. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce 134e. On l'a enregistré 3 fois ce numéro. Vous n'aurez jamais vu le numéro précédent sur l'optimisation fiscale des géants du net. C'était une mission Mais passionnante, maudite. mais elle sera à la passée, à la passée. Elle sera maudite, celle-là. Vous retrouvez l'interview de l'intervenant dans le prochain numéro d'iCreate. Vous retrouvez Cendric dès samedi dans plein écran. Non, dès dimanche, dimanche pour voir tout ce qu'on a sur Google I.O. Il y a plein de choses. C'est ce que je vais aller découvrir maintenant. Bien. Et Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac via son Twitter, @TrueMrX. Et Cendric, envoie-nous un petit tweet pour nous dire ce que vaut le Chromebook. Parce que moi, j'avais dit il y a 2 ans que ça serait une révolution. Et ce n'est pas arrivé, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Tadam! Il est là. Tu vires ta cutie, monsieur. Le petit Chromebook Pixel. Et le prix, je me rappelle pas ce que je sais plus, c'est cher. Je crois que c'est le prix d'un MacBook Air quasiment. Enfin, c'est un truc comme. C'est quoi... Pour un Retina, je trouve ça pas cher. Oui, c'est vrai que ça. Mais et pour un Retina tactile, c'est triste parce que tu oui. mets. Alors, m'en parle tu mets, pas. Voilà, tu mets macOS, tu mets macOS sur cette machine et tout à coup, tu as la machine de rêve d'Olivier Frégard. C'est-à-dire une machine puissante, fine, légère et avec un super écran tactile. Donc voilà, je sais, c'est triste. Non, mais encore une fois, ça va être très intéressant. Non, non, j'essaye pas de m'auto-persuader, mais encore une fois, cette prochaine conférence des développeurs d'Apple va être très intéressante, puisque au-delà d'iOS, la nouvelle empreinte, la nouvelle direction qui va être donnée à iOS aura un impact, j'espère, aussi pour le Mac, puisque les systèmes sont intimement liés, ne fût-ce qu'au niveau des interfaces. Il paraît qu'il va y avoir une nouvelle version d'iTunes 12.5 qui déchire sa mère. C'est ce que j'ai entendu. Comment il casse mon truc. Là, mais comment tu veux qu'on fasse de l'audience, monsieur X? C'est pas grave. Voilà, mais quant à nous, on se retrouve quand même. On va conclure quand même cette émission. On va se retrouver, si vous êtes d'accord, dès la semaine prochaine. Au revoir.